Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Avis de la Diaspora sur AfroWeb TV. Dans cette émission, nous aborderons deux sujets d'actualité essentiels, notamment la création du nouveau parti de Laurent Gbagbo. Et en deuxième partie, donc, nous irons pour parler donc, de notre Afrique, le continent noir, le continent africain, les indépendances, le bilan que nous faisons de ces indépendances-là. Nous parlerons de ceci avec nos panélistes, nos invités de ce jour qui nous honore de leur présence. Bien évidemment, merci. Merci à tous d'être avec nous. Il s'agit bien évidemment donc de Monsieur Legué Dayen. Monsieur Legué Dayen qui est le président de parti politique Génération Douai en Centrafrique, qu'on reçoit depuis Paris. On reçoit également Dr Godefroy, qui est également expert analyste et analyste des gestions des crises politico-militaro. Et également, nous aurons en studio avec nous deux panélistes qui nous honorent de leur présence. Monsieur Gilbert Wabara, économiste de formation et analyste politique. Monsieur Alex qui est Mikafou, Alex Mikafou, qui est également analyste politique. Je vais commencer par demander comment est-ce que vous allez, parce qu'aujourd'hui le débat sera un peu spécial. Président, permettez-moi ce que je vous appelle un peu président au cours de cette émission, Monsieur Serge, bonjour. Ah, on ne reçoit pas Monsieur Serge en direct, hein, on ne reçoit pas Monsieur Serge. Monsieur Serge, bonjour, vous me recevez? On vous reçoit maintenant 5 sur 5. Alors, monsieur Godefroy, docteur Godefroy, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous tous les panafricanistes, bonjour à tous les citoyens du monde. Merci de votre invitation et bonjour à tous les invités que vous avez pu. Nous avons en studio aujourd'hui donc deux panélistes. Monsieur Wadja Gilbert, bonjour, comment est-ce que vous allez? Oui, bonjour mon frère Moïse, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes ravis encore d'être présents aujourd'hui pour le débat. Monsieur Alès, comment est-ce que vous allez? Bonjour Moïse, je vais bien. Dieu merci, nous allons très bien. Dieu merci, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Et bien évidemment, si vous êtes avec nous en ce moment, nous aurons à vous demander donc de partager cette émission sur d'autres plateformes, dans d'autres groupes, puisque c'est l'Afrique qui gagne, l'Afrique d'abord, dans notre émission et surtout sur AfroWeb TV. Merci à tous. Nous allons entamer donc ce débat avec le premier sujet de ce jour qui concerne donc la Côte d'Ivoire. L'ancien chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, a invité les partis de sa formation la semaine dernière, disons le mardi dernier. Laurent Gbagbo a décidé de se séparer du Front populaire ivoirien. L'ancien président ivoirien annonce qu'il laisse cet instrument politique dont il est le fondateur aux mains de son ancien ministre Pascal Affi Nguessan. La première question ira à monsieur Serge Legué Dayen. Vous êtes également président d'un parti politique en Centrafrique. Dites-nous, est-ce une bonne idée pour Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique? Alors, je ne suis pas à la place de Monsieur Laurent Gbagbo. Mais tout ce que je peux dire, il a été, je ne sais pas si c'est membre fondateur du parti FPI, mais si, peut-être que, je ne sais pas, parce qu'il a été quand même parti pendant 10 ans. Et certainement, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé après lui. Est-ce que les textes de base ont été modifiés? Peut-être que s'ils se sentent plus à l'aise là, c'est pour cela qu'ils préfèrent créer un autre parti. Voilà. Alors, créer un autre parti, est-ce que c'est... Il veut encore aller aux élections? Bon, je ne sais pas. Monsieur Godefroy, docteur Godefroy, rebonjour et dites-nous votre avis sur la création du nouveau parti politique de Laurent Gbagbo, qui est l'ancien chef d'État ivoirien.
Merci, monsieur le journaliste, de la pertinence de la question que vous me posez par rapport à l'annonce faite par Laurent Gbagbo, qui nous a surpris dans sa démarche. Et comprendre qu'il est dans un processus de la création d'un parti politique que nous appelons la plupart du temps étant comme si c'est pas des partis politiques, mais c'est notamment un fonds de commerce et pour les politiciens qui sont des politiciens sans vision. Sans plus tarder, vous me posez la question la plus pertinente concernant la vision de Gbagbo à créer un parti politique. Nous pensons que Gbagbo est en train de faire fausse piste. Pourquoi? Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse, vous allez comprendre. Nous avons toujours essayé de donner cette crédibilité à Gbagbo après le départ brutal de Nelson Mandela. C'est comme si il représentait cette symbole de la lutte en Afrique. Mais malheureusement, nos politiciens, avec leur démarche qui consiste à pérenniser le pouvoir, qui consiste notamment à caporaliser le pouvoir, voilà que l'un des grands Africains que nous avons compté là-dessus, il est l'heure que lui, il envoie peut-être l'ascenseur à son ministre de la jeunesse de sport, qui est notamment Blaise Goudé. Voilà qu'il sort de la prison, il ne surprend pas la création d'un parti politique. La bataille juridique a eu lieu entre lui et son premier ministre qui est Afinguessan. Afinguessan a emporté la bataille. On peut dire que les mauvaises langues diront que peut-être il y a la main invisible de parti Alassane Ouattara qui a pu faire de la sorte que Afinguessan puisse emporter cette bataille. Mais au-delà de ça, il a donné naissance et d'aller créer un autre parti. Ça veut dire qu'il est en train d'abandonner notamment des enfants à qui il a donné naissance. C'est un père démissionnaire et nous, il est temps que nous puissions passer Gbagbo sur la place publique et organiser son procès parce que ce qu'il est en train de faire, ça ne donne pas un exemple. Un exemple de celui qui a incarné la lutte acharnée, ça ne donne pas un bon exemple pour celui qui est un panafricain convaincu. Nous pensons que Gbagbo doit revoir sa copie à cette annonce qui est une annonce que nous condamnons avec force et abnégation. Nous ne sommes pas partis pour le fait que Gbagbo puisse aujourd'hui aller créer un nouveau parti politique. Laurent Gbagbo, avec son nouveau parti politique, on en parle dans notre émission Vie de la Diaspora. Vous pouvez participer à cette émission en composant le plus 1 319 462 89 79. Tout à l'heure, le numéro sera affiché à l'écran pour vous permettre également et permettre également aux auditeurs, aux amis internautes qui nous suivent de par le monde sur le www.afrowebtv.com de nous contacter, de nous donner leurs avis en maximum 3 minutes lorsque vous prenez l'antenne. Alors, merci à tous. Et Laurent Gbagbo avec son nouveau parti politique. Monsieur Alès, est-ce que ça pourra marcher? Moïse, merci pour ta question. Cette semaine, effectivement, j'étais très surpris de constater que M. Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, est en train d'envisager la création d'un nouveau parti politique. Cela m'a paru un peu gauche, s'il faut que je le dise vulgairement. Parce que le FPI, moi, je l'ai connu grâce à Laurent Gbagbo. Précisément du moment où il était en contentieux électoral avec l'actuel chef de l'État ivoirien, Ouattara. La suite, nous la connaissons tous. M. Gbagbo fut à la haie où il y a passé 10 ans. Nous écoutions des rumeurs. Le FPI est en train de connaître une scission. Effectivement, cette scission vient d'être confirmée par le fait tout récemment, je voyais un peu Afinguessan se rapprocher du parti au pouvoir. Naturellement, cela ne devrait pas être du goût de Gbagbo Laurent. Alors, à son retour, je m'attendais plutôt qu'il refasse une réunion, convoquer une réunion d'urgence et remettre les choses à l'ordre. Mais cela ne fut pas le cas. Grande fut ma surprise, le vieux que nous considérons, le vieux que nous adulons tous, a laissé le navire en plein naufrage pour la création d'un nouveau parti. Cela n'arrange pas la jeunesse africaine qui croit en ce Laurent Gbagbo,
comme un leader panafricaniste, du moins de notre génération. Et cela constituera, à mon avis, un frein potentiel à la réconciliation encore en Côte d'Ivoire. En quoi ? Un frein. Est-ce que vous pensez de la même chose, M. Ouadja ? Oui. Est-ce que cela constituera un frein véritablement, comme M. Alès le dit ? Tout d'abord, je voudrais dire que moi, je ne suis pas du même avis que les deux derniers intervenants. Je parle de mon frère Alès et puis notre frère en ligne avec nous. Parce que Laurent Gbagbo a été absent depuis 10 ans et il y a beaucoup de choses qui sont passées au sein du parti. C'est vrai que, en bon sens, ou pour nous qui observons le spectacle en Côte d'Ivoire, nous pensons que Laurent Gbagbo aurait pu convoquer ou avoir un tête-à-tête avec Afi Nguessan et essayer de résoudre le problème. Mais vous savez aussi bien qu'il y a beaucoup de choses que ces politiciens-là, ils ne peuvent pas exposer à la presse et au-dessus de tout le monde. Donc, ils essaient de régler le problème d'une manière un peu cachée. Et ce que nous savons seulement, c'est que Gbagbo a décidé de créer un nouveau parti. Mais il faut comprendre que Gbagbo, c'est un homme de conviction. Et il a une vision. Et c'est, comme le frère venait de dire, c'est un panafricaniste que nous connaissons et que nous avons tous soutenu. Et si aujourd'hui, il décide de laisser tomber le FPI et aller créer un nouveau parti, à moi, mon humble avis, c'est qu'il y a un intérêt du peuple qui est en jeu. Nous avons tous vu le rapprochement d'Afi Nguessan avec le clan Ouattara. Et cela ne peut pas être de bon goût pour Laurent Gbagbo. Et ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein du parti. Et lui, étant un homme de conviction, un homme d'idéologie, s'il a créé le parti et aujourd'hui, il ne voit pas que l'intérêt du peuple est vraiment engagé dans la lutte, il va désister. Et on ne peut pas dire qu'il a abandonné le navire puisque il a suivi la procédure quand même. C'est une procédure judiciaire que Afi Nguessan a gagnée. S'il avait juste dit qu'il crée un nouveau parti sans même passer par cette procédure, on pourrait peut-être l'accuser. Mais s'il a suivi cette procédure, c'est parce qu'il était déterminé à ce que le parti reste toujours avec les sources qu'il a plantées depuis très longtemps. Donc nous pouvons quand même peut-être mieux réfléchir ou donner encore plus de temps pour voir ce qui va se passer et on aura jugé. Qu'est-ce qui avait causé même la scission ? Monsieur Alès, vous voulez allez-y. Oui, cette scission, à mon avis, elle est créée par le fait que depuis longtemps, le FPI connaissait déjà des frictions. Parce que nous savons tous qu'il y a un FPI pro-Afi Nguessan et un FPI pro-Gbagbo. Ok, les deux tendances ne peuvent pas fonctionner de la même manière parce qu'elles ne développera pas forcément les mêmes idéologies. Moi, mon questionnement, mon interrogation à cette question, elle est relative à quoi ? Le fait que Gbagbo fut à la haie avec Blé Goudé, pourquoi eux deux ne sont-ils pas parvenus à s'entendre pour uniformiser un seul parti politique? Du moment où je sais, nous le savons tous, que Charles Blé Goudé a son parti politique, le COGEP, qu'il essaie d'animer tout en étant à la haie. D'où je suis en train de pressentir certains mauvais jours encore pour la politique ivoirienne. Parce que tous les acteurs principaux que nous connaissons, que ce soit le président Ouattara, l'ex-président Gbagbo, le chef de la rébellion ex, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Blé Goudé. Ces quatre ont leur propre parti politique qu'ils sont en train de proposer à la classe ivoirienne tout entière. Ces quatre n'ont-ils pas les mêmes idéologies? Parce qu'au finish, ils sont en train de dire qu'ils veulent tous le bonheur du peuple ivoirien. C'est où
la population lambda doit être consciente qu'en réalité, leur idée première est loin d'être uniforme avec l'intérêt général qu'ils prétendent défendre. Monsieur Serge Le Guédéen, vous êtes président d'une association, d'un parti politique Génération Douée. Est-ce que cette stratégie pourra permettre également à Laurent Gbagbo de remporter les élections prochaines? Allô, monsieur Serge, vous êtes avec nous, monsieur Serge? Docteur Godefroy, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, monsieur Giovanni. Allez-y, répondez à ma question posée. Est-ce que cette stratégie pourra marcher avec pour permettre à Laurent Gbagbo de remporter les élections prochaines? Remporter les droits très prématuré parce que le peuple n'est pas encore allé où il appartient au peuple souverain d'aller procéder à la demande de son choix. Mais nous pouvons décrier cette stratégie parce que nous pensons que Gbagbo même est en train d'aller vers le moment de Front Populaire Ivoirien. Pourquoi nous disons ça? Il y a Lel Afingesson qui va essayer de constituer un bloc. Et comme disait mon prédécesseur ici dans sa démonstration, bien avant que je puisse reprendre la parole, il parlait entre-temps notamment de l'ancien ministre de président Laurent Gbagbo, qui est Blegoudé, qui pilote aujourd'hui une organisation à caractère politique. Il y a Gbagbo aujourd'hui qui se positionne également. De ce fait, on risque d'assister avec 4 FPI morcelés. Moi, je pensais que Gbagbo, fin stratège, rassembleur qu'il était, il sortait de prison, il devait aller vers une fusion stratégique permettant peut-être d'ici là de désigner un jeune qui est capable de continuer à pérenniser les idées qu'il a toujours combattues. Mais force est de constater que Gbagbo aujourd'hui est en train de morceler à petits morceaux le parti dont il est génitaire. Et c'est un sentiment de regret. C'est une force de M. Pré d'anxiété. Donc nous, tout ce que nous pouvons dire, déjà parler des élections, au jour d'aujourd'hui, nous avons des indicateurs qui peuvent nous permettre d'apprécier que cette stratégie gagnera les élections. Je pense que, archi fou, cette stratégie n'est qu'une stratégie qui va risque de mettre en stage cette stratégie de créer des préjudices à Gbagbo. Donc il est temps de revoir sa copie, dans sa manière de piloter et ça de manager également sa vision politique. Alors, nous parlons de Laurent Gbagbo, de son parti politique. Quelle est la démarche que peut faire? Qu'imaginez-vous Laurent Gbagbo, ou soit son parti politique, le Front Populaire Ivoirien, sans Laurent Gbagbo, qu'adviendra? Et comment sera le Front Populaire Ivoirien maintenant dans cette situation, M. Ouadja? La réponse est simple, à mon avis. Le Front Populaire est affaibli, c'est clair. Nous savons déjà que il y a le camp Afingesson, il y a le camp Gbagbo, et sans oublier la dame Gbagbo, Simone Gbagbo, qui est là, et qui constitue en quelque sorte une branche du FPI, et qui n'a pas encore officiellement déclaré son soutien ni l'un ni l'autre. Donc nous pensons quand même que le FPI est très affaibli, et pour que le FPI revienne sur la scène politique, disons, prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, ça va prendre du temps. Et concernant la stratégie de Laurent Gbagbo, je vais peut-être répondre un peu à votre question que vous avez posée à l'autre, à mon frère, j'oublie le nom toujours, mon frère Godefroy. Donc, à mon avis, on ne crée pas un parti politique aujourd'hui dans l'intention d'aller immédiatement remporter les élections. Ça passe par beaucoup de trucs. Il faut faire le travail approfondi pour mettre en place les idéologies, essayer de convaincre le peuple pour que les gens voient concrètement ce que vous préparez et l'intérêt général que vous mettez devant pour qu'on vous accepte. Et je pense que ce n'est pas dans l'immédiat. Laurent Gbagbo, peut-être, s'il avait envie de rester au pouvoir, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre,
être le candidat qui va remporter les élections prochaines, il serait peut-être resté et trouver un consensus avec Afin Guessant et rester avec le FPI, puisqu'il y avait déjà une force là-bas. Mais comme je le dis, comme c'est un homme de conviction, s'il a pris cette décision, c'est qu'il prépare le terrain. Il n'est pas en train de chercher forcément à gagner les élections dans les médias, puisque vu son âge plutôt, il ne pourra pas certainement dans 10 ans être toujours candidat. Donc ce qui veut dire qu'il y aura une jeunesse qui va le remplacer. Et il faut prendre le temps de mettre en place les idéologies et définir les lignes pour que les gens, le peuple puisse avoir confiance en son nouveau parti. Donc c'est ça le plus important à mon avis. Il ne faut pas peut-être se précipiter et demander si on peut remporter les élections prochaines. Vraiment, vous êtes dans votre émission Envie de la diaspora. Je pense que Monsieur Serge Leguedayen, président de l'association Génération Douai, vient de nous rejoindre à nouveau. Monsieur Serge, vous êtes toujours avec nous? Merci. Alors. Oui, très bien. 5 sur 5, on vous reçoit. 5 sur 5, on vous reçoit depuis Paris. Je rappelle à tous les amis internautes, à tous les téléspectateurs qui peuvent nous contacter et donner leurs avis sur le +1 319 462 89 79. Alors, Monsieur Serge, est-ce que la stratégie mise en place par Monsieur Laurent Gbagbo, qui est l'ancien chef d'État ivoirien, pourrait lui permettre de remporter les élections présidentielles prochaines? Alors, moi, ça me dérange parce que Monsieur Gbagbo, aujourd'hui, je pense qu'il est fatigué. Il a servi la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Je pense que c'est largement suffisant. Il est temps de laisser la place à d'autres. La jeune génération. À la jeune génération, oui. On ne va pas toujours continuer parce que, bon. Comme m'avait dit Monsieur Godefroy Duterte, c'est que à chaque fois quelqu'un crée un parti, il pense que c'est sa propriété privée, hein, c'est le président fondateur, mais à vie, quoi, le président à vie. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est des choses que nous devons voir et faire évoluer, parce qu'un parti, ça doit vivre. Quand il sera plus là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera ses enfants ou ce sera d'autres qui tiennent bien le parti? Voilà, donc aujourd'hui, il veut créer un autre parti, c'est pour aller aux élections présidentielles encore. Moi, je ne comprends pas, parce que pour moi, je pense qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite et d'aller se reposer. Après, d'être là pour coacher la jeune génération, pour pouvoir continuer de faire progresser la Côte d'Ivoire. Voilà. Créer un parti pour aller aux élections, sincèrement. Je ne sais pas trop. Quoi. Mais après, la Côte d'Ivoire nous réserve beaucoup de surprises. Hein. Vous savez, je me souviens toujours du discours du président Ouattara, ce très beau discours que nous avons largement partagé dans la génération 2, qui était de dire ben, il faut maintenant former la jeune génération. Je ne sais pas, quelques mois après, boum! Il se présente aux élections, il modifie la constitution, il se présente aux élections. Et ça, je sais pas. Et voilà. Et ça nous fait très mal. Ça nous fait très mal parce que nous voyons cet exemple-là, on se dit, ben, en fin de compte, ils vont donner le temps et ça va nous arriver demain. Mais pour nous qui faisons la lutte aujourd'hui, ben, c'est un coup de massue. Donc, vous voyez, en guillemets, c'est monsieur, comment il s'appelle, il a modifié la constitution de l'Europe, ainsi de suite, et c'est comme si c'était à la mode en Afrique. Je sais pas, personne n'est éternel, quoi. Donc, si on n'est pas capable de penser à transférer notre compétence, à former les autres pour qu'ils nous... dire que l'Afrique n'a pas de futur. L'Afrique n'a pas de futur. Et ça, moi, je suis désolé. Gbagbo, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un, nous, on était gamins. Hein. On voyait la lutte qu'il faisait contre le président Oufette. Et aujourd'hui, sincèrement, moi, ça me laisse. Voilà.
Et c'est vraiment pas dommage. Mais moi, si nous écoutons, sincèrement, moi je dirais que pour lui aujourd'hui, c'est d'aller se reposer. Parce que je pense que l'homme est fatigué aussi. Hein. Je pense qu'il faut qu'il aille se reposer et qu'il puisse aider la jeune génération à faire quelque chose pour demain. Mais aller encore aujourd'hui, c'est important. Voilà. Docteur Godefroy, êtes-vous de même avis que M. Serge? Oui, je partage l'avis de Serge, mais toutefois, je vais essayer d'aller encore un peu en profondeur. Je vais peut-être vous surprendre par les grilles d'analyse que je vais mettre sur ma table. Au-delà de la précipité peut-être ou de départ souhaité par les panafricanistes et la classe jeunesse africaine de à la retraite, Gbagbo est aujourd'hui lancé dans une démarche d'ingratitude politique. Non, il a utilisé un jeune qu'on appelle Blégoudé. Et aujourd'hui, au moment où il devait rendre l'ascenseur à ce jeune, il continue à caporaliser, il continue notamment à occuper l'espace public. Et là, ce modèle doit servir la jeunesse africaine en l'occurrence, ceux qui continuent à suivre les hommes politiques sans étage. Parce que on suit un homme politique parce qu'il constitue un mentor pour nous. Nelson Mandela a sacrifié 27 ans de sa vie. Après 27 ans de sa vie, il a passé le fanion à d'autres personnes. Aujourd'hui, l'ANC est devenu un patrimoine en Afrique du Sud. Mais dans le contexte africain, pourquoi Gbagbo n'a pas su rendre l'ascenseur aujourd'hui à ce jeune qui a vu sa vie déconstruit à cause de ses engagements à côté de son. Nous pensons que Gbagbo est un ingrat patent. Il faut appeler le chat patent. Nous pouvons essayer de cette question. Monsieur Alès, vous voulez intervenir par rapport à la réflexion que vient de mener Monsieur Godefroy. Cela ne fait qu'illustrer davantage la mauvaise foi dont sont la plupart des politiciens africains, précisément ceux qui sont dans le troisième âge. Parce que, objectivement, M. Gbagbo, à son âge, devrait être plus conciliateur que ce qu'il est en train de nous produire présentement. Blégoudé, en apprenant cela, comment se sentirait-il s'il fait recours à son passé, pas un passé par simple, un passé particulier où il s'était donné corps et âme pour la cause du président Gbagbo. Aujourd'hui, nous voyons, du moins ce que nous sommes en train de voir, Gbagbo en train de tourner dos à Blégoudé. Cela fait profondément mal à nous autres qui les avions tous deux soutenus. Oui. Qu'est-ce qui vous fait mal là-dessus? Puisque après tout, beaucoup de gens croyaient que Laurent Gbagbo va pas se réconcilier avec Alassane Ouattara. Oui, ce qui fait mal à ce point est le fait que M. Gbagbo multiplie les erreurs sur les erreurs. En ce sens qu'il n'a pas pu être conciliateur. Ça, c'est votre avis. Oui. Nous sommes dans l'avis de la diaspora. Que pense la diaspora, surtout les intellectuels de la diaspora, sur le sujet de la création de nouveaux partis politiques de Laurent Gbagbo, composé dès à présent le plus 1-319-462-89-79, pour donner votre avis. Et également, vous pouvez nous appeler par WhatsApp et donner votre avis en direct à l'antenne. Vous êtes également avec Monsieur Wadja. Il y a déjà même un auditeur en ligne qui est le premier auditeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Afro Web TV, monsieur Adolphe. Bon, alors votre avis sur la question. Monsieur Adolphe, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui. Ok, je voulais intervenir. Allez-y. Oui, je voulais aussi abonder dans le même sens que ceux qui ont précédé, les deux précédateurs.
Ouais, je voulais dire, ici, quand les gens parlent de Gbagbo, comme si c'est lui qui a incarné la lutte, sans oublier, sans parler de Blé Goudé et de Madame Simone Gbagbo. Moi, je me rappelle très bien la crise avant et post-électorale qui s'est passée en Côte d'Ivoire en 2011. Si vous écoutez RFI, les deux personnes que les Français indexent, la communauté ont indexé le plus, c'était Blé Goudé et Madame Simone Gbagbo, qu'on a présenté comme ils étaient des fous, des tueurs. Et on les a matérialisés comme, c'est-à-dire qu'on les a présentés comme des gens diaboliques. Et personne n'a oublié le caractère de cette femme. On se rappelle très bien que quand il était parti en France, quand après la pression, quand il a signé les accords de Marcoussis, c'est les deux-là, personnes qui sont derrière, quand Gbagbo était rentré, ils ont mis ces accords en pause. Mais les gens oublient que Gbagbo était tout, quoi. Mais ce sont ces deux individus qui ont imprimé leur rythme au parti FPI. À mon avis, quand nous suivons les actualités, aujourd'hui, il a voulu se séparer de ces gens-là et créer un autre parti, envisager encore de briguer la magistrature suprême. De toutes les façons, on va voir ce qu'il va produire, Gbagbo étant seul, sans ces deux individus-là. C'est ça aussi, ce qui parle du panafricanisme, tout juste quelqu'un qui fait quelque chose, on le tape du panafricanisme. Je suis sûr que monsieur Ouadia est sur le plateau et il va me parler un peu de ce que c'est. Un jour, il reviendra ici pour nous débuter ce que c'est que le panafricanisme. Et je suis sûr qu'il viendra. Monsieur Maurice, il faut l'inviter pour nous parler du panafricanisme parce que finalement, on ne comprend plus rien. Merci, c'est ma contribution. Merci, monsieur Adolphe, de nous avoir rappelé. Vous êtes sur AfroHub TV. Est-ce que c'est la règle du panafricanisme désormais qui insiste à ce qu'on fasse comme Laurent Gbagbo, monsieur Ouadja? Je ne peux pas dire que c'est une idéologie panafricaniste qui pousse Laurent Gbagbo à prendre de telles décisions. Ce que je dis ici encore une fois est que, d'abord, nous parlions comme si Laurent Gbagbo avait été destitué du FPI comme président. Il n'a pas été destitué. Il pouvait toujours être le président du FPI et aller aux élections s'il voulait. Les élections à venir, bien sûr. Mais il y a quelque chose qu'il a révélé récemment, comme quoi Afinguessan a adressé une liste d'exigences pour qu'il soit le premier vice-président du parti FPI. Ce que lui, Laurent Gbagbo, n'a pas accepté parce que ça ne lui revient pas à lui personnellement de dire qu'il nomme Afinguessan comme le premier vice-président du FPI. Et c'est sur cette base qu'ils ne se sont pas entendus. S'il avait accepté cette proposition, ce qui veut dire que lui, Laurent Gbagbo, serait resté président du FPI et Afinguessan, bien sûr, premier vice-président. Mais étant dit que Laurent Gbagbo a toujours des visions, il est revenu, il a remarqué beaucoup de choses. Les gens ne défendent plus son idéologie et ils font du parti FPI de tout ce qu'ils veulent. Vous comprenez? Donc c'est ça aussi. Bien sûr, je peux déplorer que Laurent Gbagbo, peut-être n'a pas, quand il a pris cette décision de quitter peut-être le FPI, il pourrait peut-être rejoindre le COGEP de Charles Blé Goudé. Peut-être ça devrait être une bonne idée. Mais voir un Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui veut se pérenniser au pouvoir, moi je ne crois pas. S'il était au FPI, il pouvait toujours aller aux élections, s'il le voulait. Donc, je ne sais pas pourquoi l'auditeur il fait le lien avec le panafricanisme et puis cette décision, moi je ne pense pas, peut-être qu'il a déçu certaines personnes, mais cette décision ne fait pas de lui un mauvais panafricaniste, je ne crois pas. Monsieur Serge Le Guédayenne, est-ce que Laurent Gbagbo pourra rejoindre le parti de son ancien ministre, comme le disait
Monsieur Ouadja. Monsieur Serge Guédain, vous êtes avec nous? Je pense qu'il a... Ah oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Oui, oui, non, je suis là, je vous écoute très bien. Alors, je ne sais pas si M. Babo va soutenir M. Blegoudé, parce que M. Blegoudé a bien mouillé le maillot pour M. Babo. Regardez, c'est un couple qui est à la CPI. Le couple Babo, Blegoudé. Et je pense, aujourd'hui, je pense que Blegoudé a exercé le pouvoir avec le président Babo. Donc, il a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est un meneur d'hommes, puisqu'on l'a vu par le passé, hein, comment il mobilisait tous ces gens-là. Et aurait été sage de la part du président Babo de le soutenir. Et c'est vraiment dommage qu'il puisse faire comme si M. Blegoudé n'existait pas. Ce serait un dommage. Mais ça est aussi pour mon collègue qui vient de passer, il a dit que Babo pouvait, s'il veut aller aux élections, il peut aller aux élections avec le FPI. Puisqu'il est toujours président, si j'ai bien compris, mais je ne pense pas que Babo est toujours président, puisque Babo était à la CPI pendant 10 ans, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent passer après lui. C'est le leader charismatique de la FPI, il est rentré avec tout son noir, mais je pense que le bureau exécutif de la FPI, je ne pense pas que ce soit M. Babo qui soit toujours président. Donc, maintenant, abandonner la FPI, je ne sais pas. Je ne sais pas peut-être ce qu'ils ont fait avec la FPI, je ne sais pas. Peut-être qu'ils pensent qu'il va se retrouver dans le politique de certaines personnes. Mais si ce n'était pas, pourquoi aller créer un nouveau parti? C'est la structure. Et voilà. Et ça aussi, un grand problème en Afrique, c'est que on peut être fondateur d'un parti. On peut rester dans un parti à vie jusqu'à mourir. On peut être même président d'un parti. Mais être président d'un parti, nous, ce qu'on voit ailleurs, c'est que tu peux être président d'un parti, mais ne pas aller aux élections. Tu es président d'un parti parce qu'il y a les têtes, c'est tout ça, tu diriges le parti. Mais quand vous allez aux élections, vous pouvez faire, une primaire pour tous ceux qui veulent se positionner et sur quelqu'un qui va représenter valablement le parti. Donc voilà, ça c'est une autre conception que nous avons en Afrique. On ne comprend pas vraiment comment les choses sont. On mélange tout et c'est ce qui fait que vraiment on est dans ce... ce cercle vicieux ou le serpent est difficile de s'en sortir. Et ça, vous allez en Centrafrique, vous allez en Côte d'Ivoire, c'est toujours les mêmes problèmes. Vous allez en Côte, c'est toujours les mêmes problèmes. La même façon de voir les choses, la même mentalité et tout. On ne sait pas, on ne comprend pas que quand on crée un parti, d'abord, un parti c'est une association. Quoi? Une association c'est quoi? C'est son nom la description de la situation. C'est des gens qui se rassemblent ensemble pour faire quelque chose, pour faire un travail ensemble, parce qu'ils ont une même vision, je ne sais pas. Donc voilà. Donc, un parti ou une association ne peut pas ramener un souci tout simplement à un seul individu. Donc aujourd'hui, moi je ne sais pas, il aurait pu bien rendre la frontière à Blegoudé. Ça, c'est dommage. Voilà, ça, c'est mon point de vue. Voilà, c'est votre point de vue, vous l'avez précisé. Est-ce que vous passez de la même façon que M. Serge Leguédane et M. Alès? Donc, je suis tout à fait d'accord avec les autres panélistes, excepté le frère Ouadja. Pourquoi suis-je en train de dire cela, Moïse? Fais le constat selon lequel l'Africain en général, précisément l'Afrique noire, nous n'avons pas encore
développer cette conviction à céder la place à la jeunesse. Si même nous donnons l'impression d'être amoureux de la jeunesse, de les encourager, le fond, c'est autre chose. Et cela n'est que visible par rapport à ce que nous sommes en train de débattre maintenant. Parce que grande fut ma déception lorsque je me suis rendu compte que M. Gbagbo est en train d'entrevoir la création d'un parti politique. Moïse, à mon avis, c'est inadmissible. Qu'est-ce qui rend ça inadmissible? Avec Gbagbo, ce sont des surprises. On peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout, à ce sens que tout récemment, que s'est-il passé? Selon les dernières nouvelles, il est en instance de divorce avec son ex-épouse, Simone. Ok. Tout en sachant que cette dame fait partie des piliers fondateurs du Fonds populaire ivoirien. Suite, si jamais ce divorce est consommé, ce qui suppose que Gbagbo serait en train de perdre forcément les partisans du FPI qui sont proches de Simone. Et ça, déjà, c'est davantage une faiblesse qui constitue une haute force pour la tendance actuelle au pouvoir, le RHDP du président Ouattara. D'où le théâtre ivoirien sur le plan politique n'est pas loin de recommencer dans de nouvelles turbulences. C'est la vie donc. C'est l'avis de monsieur, il y a l'auditeur qui est reparti, c'est l'avis donc de monsieur Alès. Alors, que pouvons-nous retenir? Vous voulez réagir, monsieur Ouadja, puisque beaucoup de personnes ne sont pas avec vous, les panafricanistes aujourd'hui. Allez-y. Moi, j'ai une question, peut-être que mes trois autres frères pourront peut-être répondre à cette question, puisqu'ils ne sont pas de même avis que moi. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on reproche à Laurent Gbagbo le fait de quitter le FPI ou le fait qu'il n'a pas rejoint Charles Blé Goudé? Puisque à mon entendement, même si Laurent Gbagbo disait qu'il devait rester au FPI, il n'avait pas ce pouvoir de positionner Charles Blé Goudé comme leader du FPI, ou bien, en tout cas, je ne sais pas quel soutien on attendait directement de Laurent Gbagbo en faveur de Charles Blé Goudé. C'est vrai que le COGEP existe. C'est ce que je disais. Ce que moi j'aurais compris, si c'est que Laurent Gbagbo, en quittant le FPI, rejoignait Charles Blé Goudé dans son organisation à caractère politique qu'il a créée, là, on pouvait voir un soutien direct. Mais je suis un peu confus quand on dit il a quitté le FPI, il veut créer un autre parti et il n'a pas soutenu Charles Blé Goudé. Maintenant, c'était quoi au fait ce qu'il aurait fait? Il aurait positionné Charles Blé Goudé comme leader, ou en tout cas le soutenir de quelle manière au sein du FPI? Ou carrément il devait quitter le FPI et directement aller rejoindre Charles Blé Goudé? C'est ce que moi je veux comprendre au fait. Et c'est ce que veut comprendre beaucoup de personnes également donc, qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. Alors, auditeur, bonjour. Vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Oui. Allez-y. Oui. Je peux y aller? Oui, allez-y. Oui. Je voulais d'abord faire remarquer quelque chose sur ces histoires de Gbagbo et de la Côte d'Ivoire. Disons, quand on parle de la crise maintenant, on parle de, surtout de Gbagbo. Un invité a parlé de les Africains qui ne veulent pas céder la place à la jeune génération. Ça, c'est une culture. Le fait qu'une grande personne cède la place à un jeune, c'est une culture. Mais nous n'avons pas cette culture en Afrique. Ça, il faut le dire, parce que nous sommes toujours dirigés par nos aînés. Ils sont là pendant des années. Et c'est à leur décès qu'on remplace, on les remplace souvent. Et donc, cette culture de céder la place aux jeunes doit être inculquée à nous,
dans nos éducations, dans l'éducation des Africains, afin qu'ils comprennent la nécessité de ce changement. Bon, revenons sur Gbagbo. Je dis, dès son arrivée, si on compare Gbagbo à Mandela, il n'y a pas d'égalité. Je ne sais pas, mais on ne peut jamais les comparer, les deux hommes. Et c'est vrai qu'il a été déçu par certains comportements qui l'ont amené. Peut-être qu'il a voulu prendre une décision, que les autres se sont opposés à ça. Et ça a conduit à son arrestation et à sa déportation. Mais Gbagbo ne peut pas nier qu'ils ont subi les mêmes problèmes. Il a été transféré, la femme aussi a fait la prison, le Goudé a été transféré avec lui, afin de ça, oui, de voir si aujourd'hui il a trouvé de se rapprocher de ce pouvoir, c'est tant mieux. Mais la règle d'or de Gbagbo doit être de les rassembler d'abord. Il doit rassembler. Il est revenu tout de suite, ce qu'il a annoncé, c'est son divorce avec sa femme et aller avec une jeune fille. Bon, mais c'est très triste pour un dirigeant de cette envergure, que tous les Africains croyaient qu'il est un bon dirigeant, qu'il est tout pour eux. Et moi, je me rappelle que sur ton plateau, l'autre là, comment il avait, Moulou disait que si on veut l'empêcher de rentrer, il va prendre les armes pour aller se battre en Côte d'Ivoire avec Gbagbo. Je ne sais pas quels seraient ses sentiments actuellement, vu tous les pas que Gbagbo pose en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, M. Adolphe, de nous avoir appelé pour votre intervention. Merci. Nous sommes sur la dernière ligne droite concernant ce sujet de Laurent Gbagbo. Alors, je voudrais poser la question à M. Godefroy. Docteur Godefroy, que pouvons-nous retenir de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, surtout avec la création d'un nouveau parti politique de Laurent Gbagbo et aussi la carrière d'Afim Guessant? Est-ce à sa fin, Afim Guessant, sa carrière politique, que deviendra-t-il sans Laurent Gbagbo? Oui, il y a aujourd'hui un acteur majeur qu'on appelle Afim Guessant sur la scène politique ivoirienne. Il fut ancien premier ministre de Laurent Gbagbo, il a pu militer dans ce parti et Laurent Gbagbo l'a fait confiance pendant 10 ans. Maintenant, envisager sa carrière, cela dépend de comment il peut manager, comment il peut essayer de créer un bloc autour de lui et par rapport à les idéaux qu'il porte. La question qui se pose maintenant, est-ce que Afim Guessant est aujourd'hui apprêté pour aller conquérir le pouvoir de l'État? C'est la vraie question que l'on se pose. Est-ce que le fait qu'il a... et de pouvoir demander à ce que les militants restent dans la légalité constitutionnelle derrière lui, ça c'est aussi notre hypothèse à soulever. Maintenant, au-delà de cette collision qui le pose avec son ancien mentor qui est Laurent Gbagbo, le regret que nous avons, c'est le regret que aujourd'hui le FPI est en train d'aller en fumée. Qu'est-ce qu'Afim Guessant peut faire? Parce que là, il y a deux tendances. Il y a le mouvement qu'on appelle FPI, il y a le mouvement Gbagbo n'est rien. Gbagbo ou Gbagbo, ça veut dire que les gens sont allés jusqu'à en un point immortaliser Gbagbo, étant comme si, hormis Gbagbo, il ne peut pas avoir un autre leader. Alors, tous les hommes sont appelés à partir. Dès lors que nous partons, il faut être dans la préparation pour passer le panier. Ce que Gbagbo n'a pas fait, c'est que de son vivant, ou notamment lorsqu'il était encore au règne du pouvoir, il n'était pas dans la préparation. Et c'est là pas la question propre à Gbagbo. La question est notamment similaire à tous les chefs d'État et à tous ceux qui ont des brins de pouvoir en Afrique. Dès qu'ils ont un brin de pouvoir, ils veulent partir avec le pouvoir. Et donc, lorsqu'ils partiront de pouvoir, ils aiment que même on parle de eux, lorsqu'ils ne sont enterrés, qu'on ne parle que d'eux. Même que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel. Vous allez voir, lorsque un homme africain arrive quelque part, on lui fait confiance,
il veut partir qu'avec son nom. Nous avons par exemple des partis politiques en République centrafricaine qui sont en train de s'éteindre. Pourquoi ces partis-là en train de s'éteindre? Parce que nous prenons le parti du président Abel Ngoumba. Depuis qu'Abel Ngoumba est décédé, aujourd'hui on parle de ce parti en voie de disparition. C'est le même cas. Aujourd'hui, Gbagbo est vivant. Au lieu qu'il soit dans la préparation en sachant qu'il aura le poids de la vie, il va venir notamment le rattraper. Pourquoi, de son vivant, il dit qu'écoutez, moi, si je tombe aujourd'hui, voilà, je désigne celui-ci étant comme successeur. Il faut que cela soit notamment fait dans un cadre de consensus. Mais nos hommes, littéralement africains, ils ne veulent pas passer le fanion. Et c'est ce regret que nous avons. C'est ce que nous pouvons mettre sous la table aujourd'hui. Donc, la carrière maintenant de Hakim Guesson dépend de son leadership. Ce que nous proposons à Hakim Guesson, c'est d'ouvrir une discussion avec Blé Goudet, c'est d'ouvrir une discussion avec notamment avec Simone Gbagbo et de ratisser au maximum les militants égarés. Parce qu'au-delà de cette aventure que Gbagbo est en train de mener, Gbagbo est aujourd'hui rattrapé par de l'âge. Et à certains âges, on se pose la question. Est-ce que Gbagbo dispose encore de toutes ses facultés? Et je réponds notamment à la question, je saisis pour l'opportunité pour répondre à la question qui a été posée, par notre panel. Donc, le fait que Gbagbo aujourd'hui quitte un pays, est-ce que c'est cela qui pose problème? Oui, c'est ce qui pose problème, évidemment. La démarche est une démarche notamment remplie d'attitude. La démarche est une démarche notamment remplie d'égocentrique. La démarche est une démarche notamment d'affaiblissement d'une machine politique. Et il est en train notamment de faire des orphelins. Des orphelins à qui lui il a donné naissance. Donc il est démissionnaire vis-à-vis des enfants qu'il a donné naissance. Politiquement parlant. Voilà comment nous pouvons conclure. Que diront alors maintenant les autres opposants, disons RHDP et le parti donc de l'autre opposant avec lequel il s'était réconcilié, M. Serge? Je pense que M. Serge a un petit problème de connexion. M. Serge, vous êtes avec nous? Alors, la même question à Monsieur Alès. Ma réponse est la suivante. Il est prouvé que tôt ou tard, le naturel de l'homme apparaît. L'ex-président Gbagbo, il n'a pas eu que des sympathisants. Il a toujours eu des détracteurs. Et ce qui se présente présentement dans la classe politique ivoirienne, à mon avis, ne fait que confirmer le réel naturel de tous les acteurs de la classe politique, particulièrement le président Laurent Gbagbo. Et c'est un réel sentiment de désespoir, personnellement. Lui qui fut un leader pour nous autres, parce qu'il a toujours prôné le panafricanisme, mais aujourd'hui, vu ses agissements, il est loin d'être un modèle idéal. Loin d'être un modèle idéal pour également Monsieur Wadja, alors qu'en dites-vous? Non, c'est clair. C'est tout comme j'avais participé au débat lorsque il était arrivé, il a demandé le divorce avec sa femme. J'ai dit ça, il a créé une déception. Et ça, c'est clair. Et nous sommes des humains, nous faisons tous des erreurs. Il a voulu, en tout cas, rendre médiatique ce divorce, ce qui n'a pas été de bon goût pour nous qui le supportons. Et aujourd'hui, l'opposition, ou en tout cas la classe politique ivoirienne, d'autres se réjouissent puisque ils voient comment le FPI, qui était un bloc costaud, qui est en train de se déchirer aujourd'hui, et eux vont se rejoindre, surtout le parti au pouvoir. Et c'est pour cela, moi, j'hésite encore de culpabiliser directement Laurent Gbagbo, parce que il faut aussi se dire qu'il peut y avoir des infiltrations au sein du FPI que Laurent Gbagbo aurait constaté et qui le pousse à prendre cette décision aujourd'hui. Il ne faut pas seulement voir le cas où
il n'aurait pas voulu être juste un simple membre où il veut toujours incarner l'idéologie du FPI. Sûrement, il y a des infiltrations au sein du parti, il y a des gens qui ont une autre idéologie. Quand nous voyons le rapprochement de Afin Guessa avec le parti au pouvoir, on peut se douter de ce que le FPI va défendre comme idéologie aujourd'hui. Donc c'est un peu ça ce que moi je vois. Nous avons un auditeur en ligne. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Vous voulez intervenir par rapport au sujet de la création de nouveaux partis politiques, Laurent Gbagbo. Qu'en dites-vous? Et vous avez 3 minutes. Merci. J'allais seulement souligner à vos invités que je suis un peu touché par leur déception contre le président Gbagbo concernant la façon dont il se comporte. Vous savez, les politiciens ont beaucoup de calculs. Jusqu'alors, le président Gbagbo a démontré à tout le monde entier et que il n'est pas en train de donner sa vie pour du rien, mais il est en train de faire quelque chose pour son pays. Et il faut quand même lui faire confiance à son âge, que ce n'est que le meilleur qu'il puisse choisir de faire. Sauf que l'équation n'est pas aussi simple comme cela apparaît sur les médias. Pour aller en profondeur, quelqu'un qui est sorti de la prison et fatigué, qui devait normalement s'écrouler, continue chaque matin de se lever, faire face à cette politique de la Côte d'Ivoire, c'est qu'il faut vraiment avoir de l'amour pour son pays pour le faire. Il n'a plus rien à gagner à son âge comme intérêt personnel ou comme bien matériel. Oui. Cela veut dire qu'il faut prendre le temps de voir ce que Gbagbo est en train de préparer. La politique, c'est sur le cas avec le Afin Guessa du FPI. Il se pourrait, je suis en train de spéculer, nous savons bien que lorsque Gbagbo était en prison, il a fallu que le FPI prenne des accords durant toutes les dernières élections avec le président Ouattara pour concrétiser le retour de Gbagbo. Bon, maintenant, est-ce que ces accords-là ont été publiés? Est-ce que nous savons les clauses qu'il y a derrière ces accords qui ont permis ce relâchement? Mais peut-être que cela pose problème si Gbagbo reste dans le FPI. Ces accords préparés avec Afin Guessa et Ouattara pour occasionner le retour de Gbagbo ne lui permettent pas certaines choses. Vous vous rappelez au début, il disait « Mais pourquoi dis-tu que je vais pas faire de la politique ?» Bon, je vais quand même, c'est ce que je suis. Peut-être qu'il y a des choses qui lui empêchent de faire de la politique à son retour. Habituellement, c'est toujours comme ça. Pour faire la paix, il y a des limites qu'on vous donne et on ouvre la porte aux négociations. Donc peut-être qu'il est enfreint par certaines clauses et pour être plus libre dans ses actions, il faut qu'il se dégage du FPI pour ne plus être engagé, puisque les accords n'engagent que les signataires. Ça aussi, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il disait au début et pourquoi il fait ça maintenant. Mais les scissions ne sont toujours pas des scissions comme on les voit. Ça peut aussi être des coups pour l'avenir. Et nous verrons bien dans les jours qui viennent pourquoi c'est le meilleur choix pour lui. Et moi, je fais confiance que ça doit être le meilleur choix, si certainement il y a eu des accords. Maintenant, revenant sur ce que vous disiez sur son attachement pour Blegoudé. Et des gens qui ont été ensemble dans la cellule ont passé les plus mauvais moments de leur vie. Mais je pense que il faut réserver beaucoup de surprises. Mais s'ils dévoilent d'avance leur move, ben ça veut dire que l'adversaire aussi va les contrecarrer. Mais si Gbagbo, en politique, il y a des rapprochements en dernière minute qui sont très plausibles. Mais si vous les faites d'avance, ça ne donne plus le même résultat. C'est-à-dire les gens sont fatigués, ils voient déjà. Mais et ça peut ne pas donner le même résultat que qu'à la fin, on pense que vous n'êtes pas ensemble et vous vous rassemblez. Ce rassemblement devient une énergie qui mobilise, qui galvanise encore les populations. Donc à l'avenir, peut-être que Blegoudé et Gbagbo et ses autres partenaires
vont faire des alliances et des rapprochements surprises qui vont créer vraiment l'énergie qu'il faut. Actuellement, Gbagbo est peut-être en train de se sacrifier, c'est-à-dire qu'il doit déblayer le terrain. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan ou les réseaux sociaux. Que l'intérieur du pays, le nord du pays, la région de Ouattara et tout ça, il faut une conquête. Il faut une conquête, il faut temporiser les gens. Et lui, il faut un leader qui doit essayer de rester devant. Et le bouclier de ce leader, c'est la population. C'est sa masse. Pour pouvoir négocier des deals, pour pouvoir négocier la paix, l'amnistie, pour pouvoir pénétrer après le terrain du Nord pour la campagne et essayer de voir qui positionner et qui va gagner. Blé Goudé actuellement ne peut pas être cette personne-là parce qu'il n'est pas président de la République. Donc, dans les sphères politiques, dans les sphères internationales, Gbagbo, en tant que chef d'État, ancien chef d'État, a beaucoup de clés dans sa main pour amener la Côte d'Ivoire à un autre niveau que Blé Goudé pour le moment. Et je pense qu'il faut encore donner du temps au temps et il y aura encore beaucoup de surprises pour la Côte d'Ivoire. Merci. Merci à notre auditeur qui vient de nous appeler. Alors, Monsieur Alès, je pense que vous avez déjà fait votre conclusion. J'irai maintenant à Paris pour demander à Monsieur Serge Leguedayen. Vous venez d'écouter également donc notre auditeur. Quelles sont vos réactions? Et puis, pour clôturer cette première partie de notre émission, Avis de la diaspora concernant la création d'un nouveau parti politique de Laurent Gbagbo. Ok. Pour répondre à mon confrère, d'abord, qui avait posé la question, qu'est-ce qu'on reproche à Gbagbo? Il faut dire que Gbagbo, il a créé la FPI. Il est devenu président. Quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a tous suivi en direct, même quand il était en prison, on a suivi combien de ses partisans allaient constamment manifester devant la République. Et quand il est rentré, on a vu tous ceux qui sont allés l'accueillir, c'était ces gens-là, ce n'est pas les partisans de la FBI. Donc, je pense que, vous savez, quand on parle de la fille du sang, que je ne connais pas très bien, souvent, de fois, un lieutenant pense qu'il est leader. Alors, c'est un très bon lieutenant. Il doit rester lieutenant. Et le leader reste rester leader. Vous savez, quand on dit qu'un leader est charismatique, charismatique veut dire don de Dieu. Mais qu'il est venu au monde. Donc, il y a des gens qui sont bien pour être leader et pour être lieutenant que leader. Il y a des gens qui sont faits pour être leader. C'est pas ça. C'est pas, il n'y a pas une école pour ça. C'est naturel. On vient au monde avec. Point. Maintenant, la preuve en est. FPI, c'est une grande partie. Qu'est-ce que M. Apollo de ça a amené à faire des choses avec RHDP. Moi, je ne sais pas. Voilà, donc, du coup, ça montre la direction qu'est en train de prendre le parti. Maintenant, quand Gbagbo est rentré, même s'il y a eu des choses de modification, du moment où tu as le derrière toi, dans un parti, on met en place une assemblée générale où le peuple et puis occupe remettre le parti sur les rails. Donc, aussi, je déplore la médiatisation de son divorce avec Madame Bagot. J'ai trouvé ça dommage. Je pense qu'il aurait dû prendre le temps de laisser toute cette ferveur-là descendre, baisser, rester tranquille. Et après, gérer ça avec son ex-femme. Et gérer aussi l'avenir du parti à travers ça. Maintenant, ce qu'on lui reproche, on lui reproche, ok, pourquoi il quitte la FPI pour aller créer un nouveau parti? Pourquoi il crée un nouveau parti? Ou s'il veut devenir encore président, c'est quoi? C'est ça le problème, c'est ça qu'on lui reproche. Et on lui reproche pourquoi aller créer un nouveau parti alors que il a son lieutenant qui est là,
Où ils ont poussé l'ensemble de l'État. C'est les questions qu'on lui pose, c'est ça qu'on lui repose tout simplement. Maintenant, je pense qu'il aurait pu garder, il aurait pu rester à la FPI et attendre que les choses se calment pour remettre les partis sur les rails, comme il le veut, parce qu'il n'était pas là. Peut-être que ça a bien été modifié. Voilà, donc il peut y avoir beaucoup de choses qui se sont passées après lui. 10 ans, c'est pas 10 jours. Voilà, après le. Le dernier auditeur, ce qu'il a dit, moi je sais pas trop. Peut-être qu'il est avec ces gens-là et qu'il connaît leur plan. Je n'ai aucune idée de ça. Et mais nous, on interprète juste les faits. Hein. Les faits sont là et nous, on interprète les faits. Donc nous, on n'est pas dans une projection de dire que oui, demain ils vont faire ça et tout. On n'est pas Dieu pour savoir. Donc nous, on regarde juste les faits sur ce qui s'est passé. Et on donne notre point de vue. Point. Voilà. Donc, maintenant, je sais pas, après, c'est des leaders politiques, vous savez. Les leaders politiques, les gens les suivent juste parce qu'ils sont fanatiques. Voilà. Ça, c'est dommageable pour l'Afrique. Nous, quand on voit ailleurs, les gens te font leader. Après, ils peuvent te défaire rapidement quand ils voient que tu commences à faire des choses qui ne vont pas dans la direction de leur pays, qui puissent demain faire que le pays soit fort. Les gens, ailleurs, ils commencent à partir. C'est comme ça. Mais chez nous, on est fanatique. Même la personne fait quoi? Vous allez voir, il est fanatiquement venu parce que pour lui, il supporte l'homme. C'est pas idéologie, quoi, c'est l'homme, c'est fini. Point. Et ça, c'est un grand problème en Afrique, en Centrafrique, un peu partout, c'est comme ça. Et vous, là, vous allez voir, donc, peut-être, vous prenez par exemple le cas de la Centrafrique, quand vous allez critiquer un président en place, alors qu'on est soi-disant en démocratie, mais les gens vont vous tomber dessus, alors que c'est comme ça, c'est le débat démocratique. C'est ça qui fait avancer les autres. Et c'est comme ça. Et on est toujours à l'extrême. On ne prend pas de recul, on se dit, ok, c'est le jeu politique, c'est comme ça, on fait comme ça, et non. Quand on est au pouvoir, ou on écrase tous ceux qui sont en face, ils ne doivent pas exister. Mais non, mais c'est le jeu politique, c'est ça qui se fait. Parce que chez nous, on dit que Ngou Agono, on l'a abattu, c'est-à-dire que la rivière là, ça va seul après, alors qu'il faut déter. Les opposants qui sont là, ils sont des fois là pour donner des pics et tout ça, pour permettre à ceux qui gouvernent de prendre du recul par rapport aux décisions qu'ils prennent et tout, et de peut-être corriger les choses, ainsi de suite. Mais c'est les autres qui font comme ça. Nous, on n'a pas compris ça en Afrique. Et ça, c'est un très gros problème et c'est dommage. Alors, maintenant, M. Bando, je ne sais pas, il est libre de faire ce qu'il veut, mais il veut créer un parti. Nous, on ne va pas se présenter un parti. Et même moi, je trouve dommage parce que c'est un leader charismatique, respecté. Je me souviens quand j'étais gamin et que je voyais ce monsieur se battre contre le baobab. Où vous pouvez être voyé, mais mince. Aujourd'hui, il aurait pu faire quelque chose, donner l'espoir et tout. Finalement, les leaders qui nous restent africains, Mandela, je respecte, parce que Mandela, 27 ans de prison, il arrive au pouvoir, il fait un mandat, il donne la main. À Thabo Mbeki. Ça, on peut monter du sang que monsieur, même s'il a dit respect. Respect. Sankara, là, ça, c'est des gens qui nous inspirent. Mais ceux qui viennent à la pour penser que. Voilà, ils peuvent donner le temps, ils peuvent faire quelque chose pour permettre à tout à tous, parce que nous, je dis, on est de l'école de Sankara. On est de l'école de Sankara. On n'est pas Burkinabé, hein. Mais ce qu'il a fait là-bas, nous, on a grandi. Moi, j'ai regardé quelques vidéos, hein, en grandissant. Je sais pas, ça m'a formaté quelque part. Voilà. Et donc, ces gens-là qui incarnent, qui devaient incarner ce truc, qui devaient se dire, bon, j'ai été président. J'ai fait le monde, je sais comment le système fonctionne.
Voilà ce qu'on peut faire pour donner un nouveau souffle à l'Afrique, à la jeunesse, à nos jeunes, pour pouvoir les accompagner. Non. Alors, on vient planter encore un décor, cette garantie. Et ça, moi, ça me plaisante et ça me plaît. Désolé, mais c'est comme ça. Merci, monsieur Serge, pour votre intervention. Fin de cette première partie de votre émission Avis de la diaspora concernant la création d'un parti politique, ou soit du parti politique de Laurent Gbagbo. Merci de rester avec nous. On se retrouve juste après le break. Mais pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés.